Parce que franchement, c'était magnifique, quoi, battre Nooty Tuff comme ça, le rattraper comme ça à la dernière minute alors qu'il restait plus qu'un bloc. C'était trop beau. Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez le voir, on se retrouve sur un jeu que si vous vous rappelez bien au tout début de la chaîne, je l'ai fait. C'est Ultra Lucky. Donc c'est quoi le principe, hein? Vous savez très bien, c'est avec les Lucky Blocks. Le but est de casser tous les blocs, tous les Lucky Blocks, et soit on a la chance. Soit on a de la malchance. Donc c'est parti, gens. Vous avez vu à droite, il y a les blocs qui nous restent à casser. Donc comme je dis, le but est de casser le plus de blocs possible. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai pas du tout de chance. Ah, du coup, c'est parti. Du coup, les gens, j'espère que vous allez bien. Désolé, la partie a direct commencé. Donc voilà, c'est pour ça que je commence en mode speed. On va dire. Bon, je vais enlever la musique Lucky là. Donc voilà, bon, là malheureusement, je sais pas pourquoi la texture des Lucky Blocks c'est un champignon, je sais pas pourquoi, genre. Bon, c'est pas grave, écoutez. Regardez, pour l'instant, on est premier avec 36 blocs. Il nous manque plus que 36 blocs à casser. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, si vous vous rappelez bien, j'avais fait une vidéo sur ce jeu au tout début de ma chaîne, hein, si vous vous souvenez bien. Et donc voilà, donc j'espère que vous allez kiffer. Écoutez, je me suis dit pourquoi pas en refaire. Écoutez, c'est un jeu vraiment sympa, fun, où il faut vraiment avoir de la chance, hein. Soit on a de la chance, soit on n'a pas de chance. Là pour l'instant ça va, je suis plutôt chanceux, faut le dire. Du coup, je connais pas trop le parcours. Il est plutôt chaud, hein, le parcours, hein. Vous avez vu, il y a beaucoup de descentes. Donc ouais, comme dit, malheureusement la texture, ouais, c'est la texture du champignon. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, hein. Donc, hop, là, les fameuses toiles d'araignée comme dans les vrais Lucky, quoi. Hop. Hop, là, c'est des vitrails, hein. Ça ressemble pas trop à la lave. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite histoire. Je sais pas si je vous l'avais raconté dans le temps, mais je pense pas. C'était un jour, hein, là, je suis allé, j'ai fait une game. Je crois j'avais pas encore commencé ma chaîne, hein, donc j'avais pas pu record. Mais j'avais fait une game de Lucky Block. Et devinez qui j'ai rencontré dans cette game. Ben, j'ai tout simplement rencontré NT, hein, Nooty Tuff. Voilà, il était dans la game. Malheureusement, comme dit, j'ai pas pu record vu que je faisais pas encore YouTube, je faisais pas encore des vidéos. Donc j'avais pas pu record. Et donc voilà, donc il y avait NT. Donc voilà, on jouait tranquille, il gérait très bien. Franchement, il gérait à mort et tout. Genre, il lui manquait plus que 3 blocs à casser. Genre, il allait gagner et tout. Mais apparemment, il est mort. Et à la dernière minute, les gens, je vous dis à la dernière minute, j'ai réussi à le rattraper, les gens. À la dernière minute, alors qu'il allait gagner, qu'il lui restait plus que un bloc à casser, j'ai fait une remontée de fou et je l'ai dépassé et je l'ai battu. Et genre à la fin, il y a tout le monde qui était deg en mode non, non, est-il a perdu, c'est le tueur et tout, il a dépassé, il a battu, la rage, etc., etc. Et depuis. Je suis dégoûté parce qu'il n'a pas posté, il a pas posté cette game, quoi. Au début, j'étais sûr qu'il allait la poster. Je me suis dit, oh yeah, il va poster la vidéo et tout. Je le dépasse à la dernière minute, à la fin et tout. Alors qu'il ne restait plus qu'un bloc à péter et tout. Et ben, je l'ai dépassé comme ça. Et ben, malheureusement, il ne l'a jamais posté, malheureusement, cette vidéo. Et je suis dingue moi-même de ne pas avoir record. Parce que franchement, c'était magnifique, quoi, battre Nooty Tuff comme ça. Le rattraper comme ça à la dernière minute alors qu'il restait plus qu'un bloc, c'était trop beau. Voilà, donc voilà, c'était la petite histoire, hein, là je voulais vous la raconter. Hein. Ça s'est passé il y a très longtemps comme dit, hein, j'étais pas encore sur YouTube.
où je faisais pas de vidéos et tout, donc voilà. Bon les gens, regardez-moi ça. Là, on mène, mais avec une avance de fou. En face de nous, malheureusement, ils sont pas très forts, j'ai l'impression. Regardez-moi ça. Il me reste plus que 8 Lucky Blocks à casser. Alors que eux, enfin lui qui est deuxième, 26 quoi. J'ai une avance de fou, donc là je prends tout mon temps. Voilà, comme dit, hein, comme dans tous les Lucky Défis, Lucky Blocks, il y a des petits obstacles à passer. Oh là là, les araignées, non! Oh la malchance! Vite, on trace, pas grave, j'en ai pas cassé. Ah, ils m'ont poussé. Et voilà, des gens, il me reste plus que 3 blocs à casser et on aura gagné cette game. Hein. Voilà, donc on espère que ça va vous faire plaisir de revoir ce jeu, comme dit, j'ai fait au tout début de ma chaîne. Hein, avec mon appareil et tout, on voyait quasiment rien, le calibrage était chaud. Et ben là, voilà, vous l'avez, le retour du jeu Lucky Block. Donc comme dit, hein, sur le serveur mc.uhcgames.com, hein, que vous avez normalement, oui, vous l'avez à droite, en bas du score. Hop, on traverse l'étoile d'araignée, voilà. Là, il va falloir traverser la lave. Bah, donc ça va, en face de nous, on a des gens, enfin, on a des mecs qui sont pas très forts à jeu, j'ai l'impression. Hein. Alors que moi, franchement, ça va, moi j'arrive bien à rusher, comme dit. Hein. Comme la preuve, j'ai réussi à rusher NT. Hein. Franchement, ouais, c'est un très beau souvenir. J'arrive à battre NT comme ça, alors qu'il allait gagner. C'était magnifique. Hop, donc du coup, il nous reste plus que 3 blocs à casser. Si dans ces 3 blocs, on a de la chance, eh bien, on remporte la victoire. Hein. Tout simplement. Hop, du coup, voilà, là, un bloc. Ça va, des poules. Ah, effet négatif, la fin. Bon, ça va, c'est pas horrible. Et les gens, comme d'habitude, la petite technique, hein, comme dans la toute première vidéo, vous vous mettez déjà sur la ligne d'arrivée et vous cassez le dernier bloc. Et voilà les gens, j'ai gagné. Voilà, je suis premier en 6 minutes et 5 secondes. Et regardez-moi ça, le deuxième, il manque encore 17 blocs à détruire. C'est-à-dire là, pendant cette game, j'ai pris une avance de fou, quoi. D'habitude, je suis face à des gens qui sont vraiment très forts et tout, qui me talonnent, où c'est très dur de prendre l'avantage, alors que là, franchement, c'était une partie vraiment tranquille, hein, faut le dire. Donc, du coup, écoutez, on va s'en refaire une, écoutez, hein, c'est allé assez vite. Donc, on va s'en refaire simplement une. J'aurais bien voulu faire ce jeu avec Ake, malheureusement, il n'est pas là. Mais pourquoi pas, si après il me rejoint, pourquoi pas faire cette game avec lui, quoi. Donc, re les gens, hein, excusez-moi pour cette petite coupure, hein. Mais voilà, j'ai fait une longue coupure le temps de relancer une game parce que voilà, ça prend du temps, le temps que les gens y rejoignent. Enfin bref, voilà, on se retrouve pour cette deuxième partie de Ultra Lucky après notre victoire écrasante. Hein. On est sur la même map, hein, c'est-à-dire la map du Nether. Et cette fois-ci, c'est parti, je vais essayer un peu plus de me concentrer parce que j'ai l'impression que dans cette game, il y a des gens qui sont assez bien expérimentés d'après mes renseignements. Voilà, j'ai un peu discuté avec eux et tout, et apparemment, ils ont l'air de pas très rigoler. Hein. Donc c'est parti, je vais vraiment essayer de gagner cette game, parce qu'apparemment, en face, il y a, comme je vous l'ai dit, hein, il y a vraiment des gens qui, apparemment, ils sont à fond dedans. Donc je compte bien tout faire pour gagner. Du coup c'est parti, hop. Là vous avez vu maintenant quand on est coincé dans cette fameuse cage d'eau, eh ben il nous donne une potion pour pouvoir respawn. Donc c'est plutôt utile. Même si pour l'instant depuis avant on n'a pas vraiment de chance. Hein. Là j'espère que ça va le faire. Comme d'hab, casser les blocs par derrière, c'est toujours utile. Hop, là vite on s'enfuit avec le super saut. Merde, je suis coincé, je suis. Ah, la sorcière qui m'a empoisonné, ça fait toujours plaisir. Hop, on y va, on y va. On fonce. Oh, la TNT. Ouh, l'esquive. Ouf, que le super souhait était là pour la potion de poivre. Voilà. Les araignées venimeuses m'ont achevé.
J'allais dire, par contre, la potion de poison, elle commence à dire relou là, tellement elle est chiante. Mais ça va. Allez, allez, on y va, on y va. Surtout le Sanji Killer là, qui apparemment il a l'air très fort. Regardez-moi ça, il m'a déjà dépassé là. Donc je compte pas me laisser faire, les gens, devant vous. Je compte gagner cette game, voilà, pour vous. Et donc voilà, c'est parti pour vous, pour la chaîne, pour tout. Leur montrer de quoi on est capable, les gens. On va leur montrer qu'on est capable. À chaque fois, je me perds là. Oh non, pas les. Ouais, GG les chiens. Merde. Non, 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 non. Vite. Oh oui. Oh le cochon. Oh le cochon. Pour une fois qu'il est utile, ce cochon. Ah, le Senji, il a pris de l'avance. Et le super saut là, il est pas tellement utile vu que je prends des dégâts de chute. Hop, vite. Par contre, là, vous avez vu, on a lenteur. Donc là, on l'utilise vite. Ouais, les gens, c'est mort. On boit à coco. Ah là, c'est chaud, les gens, c'est chaud. Purée, ouais, le Senji, vous avez vu, hein, je vous avais dit qu'il allait être très fort. Eh ben, regardez-moi ça. Il a 14 blocs là, à casser. Je vous l'ai dit qu'il avait l'air très fort. Eh ben, oui, il est très fort. Mais c'est pas grave. Même si, franchement, on n'arrive pas premier, c'est pas grave, les gens. Tant qu'on arrive deuxième ou troisième, voilà, le top 3. Comme d'habitude, c'est toujours ce que je vise. C'est toujours bien d'être premier, mais voilà quoi. Ma priorité, c'est surtout le top 3, quoi. Si déjà, on peut pas être premier. Hein. Du coup, c'est parti. Oh là 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 là, par contre, là, c'est vraiment pas de chance. Bon, voilà. Là, on va pas boire la potion, on va casser les blocs parce que sinon, on va vraiment prendre trop de retard. Hop. Voilà, vous avez vu, les gens, casser les blocs. En dessous, bon, il y a l'Opsy au-dessus de moi là. Hop. Vite, faut vite ressortir. Là, on est en train de perdre beaucoup de temps. Voilà, hop. Du coup, on est dehors. Bon, j'ai la faim, mais c'est pas grave. C'est pas ça qui va nous arrêter. Hop. Hop. Et voilà, le Senji a gagné. Regardez-moi ça, il a gagné le Senji. Hein. Il avait dit qu'il était très fort. Et ben, effectivement, il est très fort. Hein. Mais quand c'est pas grave les gens, là on est bien parti pour au moins taper la deuxième place. Et donc voilà quoi, ce serait vraiment cool qu'on arrive à taper cette deuxième place. Hop hop hop, après comme dit, hein, c'est ce genre de mode, c'est toujours aussi drôle quand dans la même game on est en convoi avec quelqu'un quoi. Donc voilà quoi, c'est dommage que Aid n'est pas là, mais comme dit malheureusement j'arrive pas à le joindre. Mais comme dit, écoutez c'est toujours aussi fun comme ça, seul. Voilà, un petit ultra lucky, voir si on a de la chance ou non. Bon là, cette game, faut le dire, on n'a pas eu toute chance. Regardez-moi ça, deux fois de suite, la prison d'eau là. La prison d'Opsy avec l'eau. Du coup, faire attention, parce que là, regardez, le mec là, on est égalité avec lui. Hein. On est ex aequo, donc là, il faut vite se dépêcher. Bon, ça, il lui reste plus que 5 coeurs. Hop, on avance. Hop hop hop, comme d'habitude derrière pour au pire esquiver si vraiment un quelconque ennemi. Bon là, ça c'est le petit obstacle que je déteste, mais là ça va, je l'ai facilement réussi. Plus que 7, lucky 6. Là, ça va, on a de la chance. Là, à la fin, ça va, on a beaucoup de chance. Oh non, pas la bitch. Ah, vite, descendons. Hop. Allez. Et là, on se met sur la plaque. Et on casse. Ok, c'est bon. On a gagné, les gens. Deuxième. Enfin, on a gagné. On est arrivé deuxième. Et donc, ça, c'est bien. C'est très bien. Là, je vous avoue que là, c'était un peu tendu à la fin. Parce que j'étais vraiment côte à côte avec. Voilà, avec le deuxième, faut le dire. Hein, le deuxième qui maintenant va sûrement arriver troisième. Hein. Voilà, vous avez vu, ça c'était vraiment une vraie game bien bien compliquée avec vraiment des gens très expérimentés quoi. Pas comme la première que j'ai fait où là, faut le dire, c'était plus un échauffement quoi, une petite rigolade. Enfin bref, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo les gens. De Ultra Lucky, voilà, un petit jeu que j'ai fait au tout début de la chaîne et que là je remets en avant avec un bon calibrage, le 720p et tout, enfin bref, comme il le faut. Si c'est le cas les gens, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter pour dire ce que vous avez pensé.
ou encore à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos et ce qui vous motive à en faire encore plus. Moi sinon, je vous dis à la prochaine. Bonne journée, bonne soirée. Ciao.